en garde ici. Et donc là, on est comme ceci. Voilà, donc je rectifie un petit peu la position Yazid. Donc recule un peu cette jambe. Visse le talon. Ouais, le talon tourne. Le talon. Voilà. Cette jambe-là doit se tendre et celle-là un petit peu plus fichée. Voilà. D'accord. Donc là, on est sur des travails de base, donc on va être moins aérien, on va dire. Mais c'est des postures qui sont très importantes à avoir pour après faire un bon combattant ou un bon pratiquant de jiu-jitsu. D'accord. C'est-à-dire qu'après, sur le combat, on est moins figé que ça, parce que sinon, évidemment, c'est un peu difficile, mais il faut avoir ses bases au départ. Donc on est ici, et là, donc, moi je vais reculer, toi tu vas avancer en changeant de jambe. Ça s'appelle aligner la chiche. Avance, fais avancer. Hop, ici. Voilà. D'accord. Et l'idée, les mains, en fait, c'est de repousser un peu. Voilà. On se repousse un petit peu sur les mains. Résiste. Voilà. On se repousse un petit peu sur les mains pour vérifier qu'on est à peu près en équilibre. On peut jouer un petit peu comme ça. D'accord. Voilà, je t'ai mains. Au lieu d'être en garde ici, on pose les mains contre main. Vas-y. Et là, voilà. On teste un petit peu notre équilibre. Hop, on change de jambe. Tac, ici. On teste un petit peu l'équilibre. Au bout d'un moment, si je suis comme ça, vas-y, repousse un peu au niveau des bras. Non, sur les bras. Ah, ici, je sens que lui, s'il le voit, il va faire exprès de faire ça. Et je sens que là, je suis un petit peu comme si je marchais sur une poutre. Ici, bien droit, bien bas sur les jambes. Les hanches orientées ici. Là, pour orienter bien. Voilà, c'est ça. Il faut pivoter. Vous avez vu là ce qu'il a fait. On pivote le talon. Si mon talon est là, ma hanche, fatalement, elle rentre. Donc, elle sort exactement. Si je veux la rentrer, ici. D'accord. Normalement, ça fera travail, ça tire aussi au niveau de la hanche, là, au niveau musculaire. Tu avances. Hop, donc moi je recule ici. Donc vous allez faire la largeur, avance. Hop, à chaque fois ici on teste un petit peu. Alors on peut s'amuser à tester un petit peu en haut, en bas, sur les côtés. Et au retour, c'est lui qui va reculer. Et c'est moi qui vais avancer. On teste un petit peu. Hop, je recule. Et moi j'avance. Voilà. Et l'idée c'est d'être capable de se sentir bien placé sans avoir besoin de regarder ses pieds. Ok, ça marche? Allez, c'est parti. Allez, avec ton partenaire. Voilà, d'accord? Tsugihashi. Alimiyashi. Ok. Et l'objectif, c'est que vous réussissiez à rester à peu près synchro et surtout que, au bout d'un moment, vous ne retrouviez pas à 3 mètres alors qu'on avait démarré près. D'accord. Attention dans la ceinture, parce que sinon, lui ne se rend pas compte si il fait mal l'exercice. Donc je suis ici et tu fais l'exercice. Hop, tant qu'en arrière. Vas-y. Hop, quand tu reviens, je pars légèrement en arrière. Même quand tu reviens, il y a toujours attention. Vas-y. Ah, c'est mieux. Encore. Hop, là, je suis parti en arrière. D'accord. Donc là, vraiment, on voit que... Parce que évidemment, moi, je peux me rééquilibrer aussi, hein, on n'est pas non plus... Ouais. Alors maintenant, on était sur une simulation de positionnement. Vas-y, franchement, en arrière, bras tendus, voilà, relâché ici, voilà. De hip point senagi. Donc là, moi, je suis courroitier. Si je suis courroitier, ma main gauche, elle tient sa manche. Alors certains, vous faites ça. Votre sa manche, elle est là, voilà. Et vous mettez un bout de ceinture sur votre épaule. Donc là, ça, c'est pas hip point senagi. D'accord. Il faut être senagé ici, là je vais tirer sur cette manche et l'autre je vais passer dessous. Là on est en simulation du point de senagé. Il y a la tension dans la ceinture et quand je ressors, attention, je me remets à distance en gardant la tension dans la ceinture. Moi je préfère que je sois un peu attiré vers l'avant. S'il est trop attiré vers l'avant, il va compenser en se penchant davantage vers l'arrière plutôt qu'il part vers l'arrière. Je remonte, regardez, je tire ici au moment où je m'engage, je commence à tirer ici et je viens engager. D'accord. Donc là il y a toujours la tension et quand je ressors, hop, je me remets à distance. Et pour ceux qui avaient bien fait l'exercice, on va faire rentrer le face maintenant. Ici. D'accord. À la limite, si on aspire un petit peu, c'est pas très grave. Si je veux pas trop aspirer, je vais rentrer un petit peu plus. Voilà. Je ressors bien. Mets-toi en arrière. Voilà. Donc à moi, comme j'avance, d'ouvrir sur les bras. Et de ressortir. Ouvrir. Et ressortir. D'accord. C'est un tout petit peu plus compliqué, hein, surtout ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Donc sinon, on reste sur mon siège. Donc en aucun cas, de toute façon comme ça, les deux bras sur l'épaule ou un seul bras sur l'épaule. Il n'y a rien sur l'épaule. Je suis là. Et là, l'attention est surtout dans le bras gauche. Et quand je reviens, hop, je remets l'attention dans les deux bouts de ceinture. Allez, on refait notre série de 10 chacun. C'est vous qui tournez quand vous avez fini. Au sol, on avait fait tout seul, on fait à deux maintenant. Mets-toi sur le dos. J'en fléchis. Ok, alors, petit exercice de mobilité, de déplacement de mobilité. Donc le premier exercice, je suis sur le côté de ce côté-ci de Yazid, je vais venir prendre appui pour passer de l'autre côté. Après, il résiste ici, lui il contracte un petit peu au niveau abdos, d'accord. En même temps, il peut travailler en contraction, ça va sa tête. Voilà, ici. L'idée, c'est que l'oublier n'est pas complètement relâché. Sinon, déjà, quand j'appuie, là, voilà, ça fait ça, d'accord. Normalement, si vous vous retrouvez dans cette position-là, c'est une attitude, c'est pareil, c'est comme une attitude lorsqu'on est debout. C'est pas amorphe.
Sinon, l'autre, il fait ce qu'il veut de moi. Alors que ça doit être une position pour projet. Il écarte un petit peu, je suis à garder. Je viens prendre appui pour changer de côté. Hop, je prends appui, je change, et là, on a compris, on accélère un petit peu. Ok, alors regardez, le principe c'est d'oublier le genou qui est devant moi, d'aller chercher avec la main la plus éloignée, le genou plus éloigné, de prendre un appui au sol, pour faire comme un petit pas chassé, un petit pivot là. On essaye ? Allez-y. Donc on fait. Une dizaine de fois, on change les rôles, si ça ne change pas, le gars change. Il y a un petit travail de coordination, non, non, petit coup de pied au passage. Donc vous allez commencer doucement, Yazid. On va faire le même exercice. Vas-y, sur le dos. Voilà. J'en réfléchis. Moi, il faut que je puisse prendre appui dessus, d'accord. Encore une fois, ça, c'est un éducatif. D'accord. C'est je suis capable. Si j'en veux, donc vous allez le faire une, deux fois, deux, trois fois. Et à un moment, ici, je vais venir pivoter pour mon couvage. C'est là où, si je ne fais pas attention, je prends un petit coup. Donc vous avez bien levé pour faire un travail de pivot sur la l'appui. Donc l'idée, c'est que d'être vraiment précis en ces placements et pas faire un truc comme ça. Hop, et je reviens, ou alors je m'arrête sur lui, ou je lui tombe dessus. D'accord. Et la sortie, c'est ça. Tac. Donc je peux recommencer, garde à tête et pied. Voilà, pour commencer. Hop. Tac. Tac. Donc après, nous, pour faire changer de temps en temps, hop, là vous avez chacun des équilibres. Hop, et je ressors. Tac. Donc une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. J'anticipe puisque je veux faire mon demi-tour. Je vais un petit peu plus loin que d'habitude. D'habitude, je m'arrête là. Je vais un petit peu plus loin que d'habitude pour faire mon pivot. Et je ressors. Et on s'amuse dans un sens, dans l'autre, etc. Allons-y. Un genou. Hop, je reviens et de l'autre côté. Hop, je reviens. Toujours l'attitude, Yazid, voilà. Hop, ici. D'accord, tu dois faire en sorte, bien sûr, que je te marche pas sur les bras. Donc, normalement, ils sont plutôt là. Hop, ici. Je reviens. Ici. D'accord. Donc, si on fait pas trop vite, c'est bien sûr, j'envoie les jambes d'un côté. Parce que si je fais pas ça, si je fais que mon décalage, lui, il suit avec ses pieds. Accroche-moi avec tes pieds. Accroche-moi avec tes pieds. Accroche-moi avec tes pieds. D'accord, il va m'empêcher de passer. Parce que normalement, il est actif au niveau des jambes. Hein. On se sert autant des jambes que des bras et de tout le corps au sol. Donc là, je décale. Moi, je me décale d'un côté pour revenir engagé. Pourquoi? Parce que je, bon, déjà, je vais faire un contrôle avec le genou. Mais si je laisse traîner ma jambe, je peux venir me l'attraper aussi. Et là, j'ai tout le travail de faire gagner. Donc l'idée, c'est de passer vraiment les deux jambes. Encore une fois, c'est un éducatif. Lui, il va le connaître aussi. Donc il va s'y attendre, en général, ça, évidemment, ça marche difficilement. Il faut vraiment aller vite ou le surprendre. Mais au minimum, il faut que je sache le faire. Si je vois qu'il est un petit peu perdu, là, ici, ben, hop, je suis capable de venir pour après venir contrôler, faire autre chose. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Allons-y. Ce qui m'intéresse, c'est la dextérité avec laquelle je suis capable de le faire. Donc là, je pars de debout, je suis ici, hop, d'un côté. Vous allez faire plusieurs fois du même côté, vraiment pour automatiser, et après, plusieurs fois de l'autre côté. Bon, ça chauffe un peu au niveau des cuisses, hein, mais tant mieux. Allons-y. Allez. Tu sais ce que c'est une langouste? Aïe, j'ai le moins. Il y a une crevette alors. Ouais, il y a une crevette. C'est bon. Ah si, il y a des bons clubs quand même. Allez, vas-y, tu passes. Donc ici, prendre appui pour reculer, d'accord, pour reprendre la distance, par exemple. Et après, hop, on recommence, on revient, d'accord. Ce qui fait qu'on est les deux en un travail. Ici, prendre appui, hop, reprendre distance pour après être en dégagement. Donc nous, ce qu'on va faire, par contre, c'est le travail de celui. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que on peut faire évoluer avec les idées qu'on a et l'objectif qu'on a dans la séance. Oui, ici, moi, donc, je suis là, je vais venir ici. J'ai dit, ne lâchez pas les mains qui sont sur les genoux. M'engager pour revenir en position en minimum vitesse. Donc dans la chronologie, c'est là où il ne faut pas se tromper. Si je fais ça et je lâche tout, lui, bien sûr, il revient sur moi, il aurait attrapé la jambe par exemple. Il a attrapé la jambe avec les jambes. Voilà. Ici et là, après, j'ai du mal à sortir mon pied. Donc pour pouvoir le faire, c'est. Je suis ici, donc je me décale. Je commence à tirer un peu. J'engage mon genou, je ne lâche pas cette jambe. Sinon, elle revient.
D'accord? Je lâche pas. Et là, je pivote sur mon genou pour aller chercher tout de suite la tête, sortir le pied et me retrouver ici. Je reviens. Hop. Deux. Je bouge l'ince. Je reviens. Hop. Trois. Et ainsi de suite. D'accord? Ah, il faut qu'il soit tonique, hein, sinon il subit un peu. Allez. D'accord? Donc on va jusqu'au placement. On ressort. Après ça, on voit un coup. Et un petit peu plus aérien, tout à l'heure on rentrait, on tournait, hop, on rentrait, hop, on tournait. Donc la priorité des priorités, un bon combattant, il faut qu'il soit vraiment disponible sur ses appuis. Lorsque on voit que le déplacement est un petit peu lourd, tout de suite ça donne des repères à l'adversaire. Il va savoir que s'il accélère, il risque de vous déborder un petit peu. Donc on va faire assez simple. Ici je suis ici, et donc on va travailler sur l'entrée, ressortir, comme on a fait tout à l'heure, on ne va pas tourner cette fois-ci. En tout cas, pas pour l'instant. Et il essaie, je rentre soit pour faire un kutsuki, ici baisse un tout petit peu ta garde, et si j'ai l'opportunité, hop, je rentre pour travailler en braquet. Ici, pam, ou. D'accord? Ça marche? Donc on combine un petit peu les deux, soit l'un, une fois l'un, une fois l'autre, vous faites par série, c'est pas très très grave. Ce qu'on va demander, par contre, avec un, il est mobile aussi, voilà, ici. Un peu relâché, hein, je ne sais pas trop fier. Si, il monte haut sa garde comme ça, comme il était, moi, surtout, je vais passer en dessous, en gain kutsuki. S'il a la garde, par contre, un peu basse, voilà, j'ai tendance à vouloir chercher au visage. Ça va dépendre un petit peu de l'adversaire. Donc votre intérêt, c'est d'être ni trop haut, ni trop bas. D'accord? Comme on n'est pas sur un sport où on cherche le chaos, on est un peu plus relâché au niveau du visage. Quand on est sur les sports où on cherche le chaos, il faut protéger bien la tête, hein, évidemment. Donc souvent, on est une garde un petit peu plus haute parce que on va chercher à bloquer les frappes au niveau du visage pour éviter de prendre un chaos, tout en pensant à quand même bien protéger le bas, donc on est un petit peu plus comme ceci. D'accord? Là, nous, on est du coup un petit peu plus loin. On est peut-être un petit peu plus loin en termes de distance. Et donc, un petit peu plus relâché des épaules. Je suis quand même capable de venir contrôler là, 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 ici. D'accord? Je suis capable. D'accord? Et dès que ça monte un peu trop, là, mon adversaire, il va voir que la faille, elle est ici. Et si ça descend un peu trop, que la faille, elle est là. Petite parenthèse, ça peut être une provocation. De faire semblant de descendre ici pour le faire monter. D'accord? On va le frapper là. Ah, et moi, je viens. Par exemple. Mais il faut que ça soit calculé. C'est-à-dire qu'en général, au début, c'est pas calculé. D'accord? Il y en a qui sont là, mais ils ne savent pas qu'ils sont là. Il y en a qui sont là, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont trop hauts. Une fois qu'on a vraiment conscience de sa garde, après, moi je peux très bien jouer en baissant un peu la garde, en montant un petit peu. Des fois, il y en a qui jouent un petit peu avec les bras, en bougeant de tous les côtés pour envoyer des informations différentes, soit de provoquer un petit peu direct les choses. Donc là, on n'en est pas là. Je reviens sur l'exercice. On sautille un petit peu comme tout à l'heure, là, au tout début. Et donc là, je rentre, hop, soit pour placer mon kakutsuki, soit pour placer mon racket. Hop, bam, et je ressors. D'accord? Ça marche? Le même pendant un certain temps, j'ai changé les rôles, salut. Et ainsi de suite. Allons-y. Un peu juste, ici, voilà, je touche le vent,
il vide ma jambe. Mais je suis là, c'est pas bien. Ok, et je vous rappelle que vous avez deux jambes. Et il faudra être capable d'être aussi habile à droite qu'à gauche. Moi je suis droitier, j'essaie de travailler à gauche. Je sais qu'à droite je suis un peu mieux, c'est normal. Mais j'essaie de combler le retard que j'ai avec ma jambe gauche. Allons-y. Allez, pareil, changez régulièrement les rôles et de côté. L'idée c'est de temps en temps faire que un appel et de temps en temps le faire vraiment. Après, on travaille sur l'appel. Mais si je fais que les appels, au bout d'un moment, les appels ne servent plus à rien. Genre, si on vous appelle plein de fois au téléphone pour raccrocher, vous allez décrocher plus. D'accord, l'idée c'est que vous ayez envie de décrocher. Donc là, il a envie, ici, quand je fais ça, il a envie de protéger le visage. Parce qu'il a vu que s'il ne protège pas, il est touché. D'accord? Donc il a envie de le protéger. Donc, juste l'appel, il dit oula. Ok, ça marche. Donc vous le faites une fois sur deux, vous faites qu'il est capable de le faire plusieurs fois. Alors, si vous avez du mal à monter le visage, ce qui est compréhensible, hein, d'accord? Ici, on fait l'appel au corps. Donc tu te retires la main. Voilà. Par contre, tu laisses le passage, l'appel au corps. D'accord? Histoire de faire réagir quand même. C'est un peu lié au visage, surtout pour la suite. Allez, c'est parti. J'en fais trois, j'en fais trois, on change de gars. Moi, je vais pouvoir passer plus facilement le gars dessous. D'accord? Donc là, je suis ici, alors commencez doucement. Hein. Je fais mon appel, je repose, j'ai un pied, je ressors. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Parce que là, je viens me poser et je ne repartirai pas. D'accord? Vous allez tout à fait faire un légère reprise d'appui pour venir piquer et ressortir. Et là, c'est là ce que je dis au tout début, hein, en préambule là, de cette partie technique, c'est que la mobilité, c'est essentiel. Il y en a qui vont être capables de le faire à peu près pour faire ça, ça. Voilà, vous avez vu, hein, je fais exprès de faire un peu de bruit, mais je suis lourd, j'ai du mal à partir. Il y en a qui vont être là, ici, bam, ils repiquent, ils ressortent. D'accord? Ici, hop, bam, et je ressors. C'est ça qu'on doit essayer d'obtenir. Ok? Parce que là, je suis disponible et surtout, si j'ai touché, mais je me suis encastré, alors soit je peux prendre un contre, il m'attrape, il me fait tomber, je suis trop lourd sur mes appuis. Il faut vraiment être très disponible, ça s'appelle la partie 1. La partie 1, le truc, c'est vraiment ça, disponibilité sur les appuis. Ok? Allez, essaye. Donc, appel, c'est sûr, on ne fait plus de mawashi, on fait appel gâteau. Un, je repose pas, je pique et je ressors. Rentrer ici dans le partenaire, comme si je voulais faire un gâteau dessus. Rentrer et en sortant, je veux dire. Ça se fait sur quelqu'un qui est vraiment très prononcé là, souvent là. Il y en a qui sont très écartés. Alors s'il est là, voilà, n'y comptez pas, d'accord? Mais si je vois que la jambe n'est pas mal avancée ici, en fait je vais avancer. Alors peut-être que je vais croire un petit peu que je vais chercher un long raquet par exemple. Je vais avancer ici et en sortie, hop, je vais venir à la fin. Ça va, ouais. Alors en général, il ne va pas forcément tomber s'il tombe. Alors c'est merveilleux, puis il saute dessus, etc. Mais en général, je vais juste le déstabiliser un petit peu. Et l'idée en fait, donc je suis ici, tac, je déstabilise un petit peu et derrière j'ai un piqué. D'accord? Il se retrouve un peu déstabilisé, j'ai une ouverture de petite fenêtre de frappe. Ok? Non. Après, il ne bouge pas, il faut qu'il soit mobile parce que, encore une fois, c'est une histoire de balayage. S'il met les posé comme ça, c'est compliqué. D'accord? Donc, dans un premier temps, regardez, juste pour trouver la distance. Donc, je viens engager. Alors, la difficulté, c'est que je ne peux pas venir là. D'accord? Il faut que je sois capable de venir engager ici. Positionner mon pied un peu loin, bon voilà, et avancer très bien, engager ici et en sortie ici, venir récupérer. La difficulté c'est que si on a tendance des fois à frapper, d'accord, donc pour lui c'est pas très sympa, et si ça se transforme vraiment en frappe, l'arbitre va vous arrêter, va vous mettre une pénalité. Vous restez dans l'esprit du balayage. Et alors le dernier point, mais je vais revenir après, c'est que nous en judoka, on a tendance à faire ça, d'accord, comme si je faisais coachy, et il faut surtout pas faire ça, faire que mon corps, il sort. Tout mon corps sort. Et c'est pas le bas tire et le haut vient. Alors là, vous allez voir, vous allez être confronté à ce problème, c'est sûr. C'est pour ça que je dis que c'est un peu complexe parce que c'est encore une fois, ça rejoint dans une histoire de mobilité, très mobile, et de ne pas faire n'importe quoi. D'accord? Et souvent, hein, voilà. Des fois, on se reste accroché et on fait ça. Alors l'idée, c'est plutôt, je viens glisser et en sortie. Je vais y aller. Merci, Bécaï. Super bien le hockey. Non, mais c'est très bien. Je pense que du coup, c'est bien visuel. D'accord? Donc, encore une fois, ça se fait sur quelqu'un qui est pas comme ça. Donc, BK, il va volontairement se mettre un petit peu ici. Et pour l'instant, si vous bougez pas trop, on va rester un peu fixe et testez-le. 1, hop, 1. Toi, ce que tu fais, c'est de rester un peu debout quand même. Enfin, même si je ça marche super bien, ça marche super bien. D'accord? Alors, après, dans le combat, c'est perturbant pour lui. Des fois, il ne s'est rien passé. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là, voilà. Donc c'est perturbant. Puis des fois,
j'ai réussi à déstabiliser, c'est là que j'aimerais piquer. Pour l'instant, c'est juste de travailler sur ce petit balayage en sortie. Allez, c'est parti. Et c'est pas considéré comme un... Non, c'est un balayage. Un quoi? C'est pas considéré comme... Alors, s'il tombe, oui, mais c'est rare qu'il tombe comme ça. Il n'y a pas de grappin en dessous de la ceinture. Il n'y a pas de grappin. Non, non, non. S'il tombe, c'est quelque chose, mais c'est rare qu'il tombe. Non, alors si... C'est pas une attaque en dessous de la ceinture, c'est une... Non, non, c'est pas une attaque en dessous de la ceinture, c'est pas une frappe. C'est pas frappé. Mais c'est pas... Alors, s'il tombe vraiment, à vrai dire, parce qu'il faudrait voir ce point de l'arbitrage, c'est rare qu'il tombe vraiment. En général, j'ai appliqué. Pour être complet par rapport à ça, alors après, on va le refaire un tout petit peu, là, peut-être, histoire de quand même ne pas le laisser avec une information sans la tester, et après, on va passer au corps à corps. Souvent, ça se fait comme ça. Je rentre en Gyakutsuki, je ressors avec un petit balayage et je repique un Gyakutsuki. D'accord ? Qui me permet de rentrer en faisant quelque chose. Mets-toi bien quand même, voilà. Pas de rentrer juste ça. D'accord ? On peut éventuellement rentrer en faisant Wakan aussi, ressortir et ici. D'accord ? Mais ça c'est bien en Gyakutsu, c'est-à-dire que je suis ici. 1, 2 et 3. Et après, le truc c'est qu'il n'y ait pas de temps intermédiaire. Si je fais ça, 1, 2, 3, bien sûr, vous avez compris que ce n'est pas du tout efficace. Même si j'en fais moins. Donc là, normalement, c'est, regardez, la jambe elle rentre, en sortie, elle allait. Et le remonte. D'accord ? Donc avec un travail des hanches à chaque fois, hanche, hanche et hanche. Ok ? Donc on va essayer ça peut-être ici, voilà. Ceux qui veulent se refaire un petit peu. Donc là, je rentre, hop, et je touche. Ok ? Et encore une fois, vous allez voir que c'est pas 100%. Hein. Mais bon, ça perturbe, il sait qu'il est capable de le faire. Donc après, il va s'éduquer un petit peu. Du coup, il a zéro la personne qui rentre, il veut venir me balayer là. Il est un petit peu occupé l'esprit ici, puis en fait, hop, bam, je lance un coup de pied. C'est le jeu aussi. Hein. C'est qu'il est plein d'informations. Il se pense que je suis capable de faire. Enfin, il sait que je suis capable de faire plein de choses. Donc, du coup, il y a la certitude, bien sûr, qui est augmentée. Allez, on refait un tout petit peu, mais rapide, et après, on passe à ça. Plein de choses là, qu'il faudrait voir. C'est-à-dire que ma garde de moitié en général à petit point, c'est ça. Ma garde en corps à corps, c'est ça. Donc il faut que je trouve une solution pour réussir à passer dans ma garde partie 2 sans prendre de risque. Donc une des solutions toutes bêtes, c'est qu'à un moment dans le combat, je change de garde, et ce qui ne m'empêche pas de travailler, puisque j'ai appris à travailler sur cette garde-là, et quand je vais m'approcher, je vais être dans ma garde droitière. Donc là, on va rester là-dessus, et l'idée, ça va être donc de bien l'occuper sur un roue racaine, ici très simplement, d'accord ? Alors, on essaie d'être le plus démonstratif possible, et au final, peut-être même, je vais juste faire ça, et après je vais changer, on pourra faire un petit appel, mais en étant bien démonstratif pour l'obliger à monter la garde un petit peu là, au minimum là, pour se protéger, d'accord ? Il faut qu'il se protège. Si je le fais pas bien, dans ce que je vais vous montrer, je prends un gros risque, d'accord ? Puisque après derrière, on va descendre dans les jambes. Donc je suis ici, je viens montrer en raquette, et de suite je viens descendre dans les jambes. D'accord ? Hop, pour après partir sur... un moment dégagé, pour le dégagé, ramassement des deux jambes. Si vous ne faites pas ça, et que lui il avait la bonne idée de lancer un mawashigiri, si je ne le fais pas réagir ici, que je plonge directement, si je fais le coup de pied, voilà, c'est fini. Et puis là je me retrouve KO, mais c'est ma faute. Il ne sera pas pénalisé. Je me mets en danger moi-même. Donc c'est pour ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup là en jiu-jitsu. C'est beaucoup parce que, simplement lorsqu'on en face de nous, on a quelqu'un qu'on a du mal à faire tomber, qu'on n'a pas bien tout en corps à corps, ben, des fois, on n'arrive pas à marquer sur la partie 2. Donc, le fait d'essayer de prendre de vitesse, un petit peu d'être dans la reprise de combat, là, dans l'immédiat, dans l'instant immédiat, eh ben, ça me permet de le surprendre. Donc, il faut surtout, par contre, vraiment le faire réagir au départ. Si je le fais bien, il ne pourra pas faire son enrichi. Ok ? Donc, regardez, on le fait doucement. Je suis ici, donc je fais bien réagir comme ça, en plus j'avance. Et là, quand je vais venir chercher, je vais venir quasiment poser la ligne. L'idée c'est de pouvoir après me relever. Si je peux me relever, je me relève. D'accord ? Des fois je vais partir avec le sol, mais l'idée c'est pas de poser un genou et se retrouver comme ça tout de suite. Parce que là souvent je suis trop bas et en fait je n'aurai pas la force pour me faire chuter. Ok ? Donc c'est pas de se jeter à plat ventre, c'est de descendre, mais toujours fort au niveau du dos pour commencer à vous remonter, quitte à replonger avec lui par terre. D'accord ? Donc si je le fais tout seul, c'est 1, 2 et 3. On refait, donc là tu sais, toi, lui il sait qu'il va faire une chute arrière, là, je suis ici, je fais réagir, voilà, hop, je fais réagir, je suis ici. Là il est tombé tout seul, j'ai rien fait.
Donc toujours la même histoire, c'est pour pas que mon partenaire fasse le travail à ma place. Si vous avez vu là, bah, du coup j'ai pas pu finir l'action. Et en randonnée, ça marchera pas. Je n'ai pas été non plus bon action. Donc là, 1, 2, et là voilà. Alors vous allez voir comme par hasard, à se trouver entre les jambes, ça va vous permettre d'enchaîner. Tout à l'heure, elle est chauffée entre les jambes. On va travailler un petit peu entre les jambes. Ça marche? Allez, c'est à vous. C'est pas hyper compliqué. Même si je l'ai déstabilisé, il m'accroche un peu et c'est compliqué. Le mieux, c'est quand même que je sois devant lui. Donc là, 1, 2, 3, et bien le sol. D'accord? Je suis ici. Donc là, on peut refaire l'exercice de tout à l'heure. On peut refaire l'exercice de tout à l'heure. D'accord? D'où l'intérêt d'avoir au hasard fait travailler là. Donc je ne vais pas vous le reprendre tout de suite. Nous, on va faire un petit peu autre chose. Donc j'étais debout ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais venir le tasser. Donc ça reste où je te tasse, Bécaille, je te tasse. Tu le repousses ici, juste pour ça. D'accord? En action relative. Donc tout à l'heure, je suis passé à droite ou à gauche. Je suis passé par l'intérieur en croisant, par l'intérieur en croisant de l'autre côté. Et là, j'ai carrément passé par-dessus. Donc on refait enchaînement un petit peu. Et après, sur la suite, on va retravailler. Tu seras directement dans cette position-là. Donc là, 1, 2, 3, je viens de l'étonne. Alors, soit je suis là, c'est un peu différent, soit je vais réussir à me redresser un petit peu. Donc là, je suis parti ici. D'accord? De l'autre côté, je peux éventuellement, ça va dépendre un peu comment il est positionné, décaler, venir. D'accord? Et nous ici, on va venir. J'ai deux mains sur nous. Tasser. Attention, c'est pas ça. D'accord? On va avec moi. Si je fais ça, bah, il va se faire rester. Passer pour le faire réagir avec la règle du recul. Je s'aligne et je me relâche. Et là, hop, je suis à cheval, je fais travail. D'accord? Allons-y. Ça, c'est super facile. Mais c'est un piège. D'accord? Si réagit bien, peut-être essayer de le relever. J'étais ici, puis je vois que ça décroche un petit peu ici pour ressortir, pour retravailler. Il peut y avoir une rupture de combat. Alors, juste. Là, le principe, c'est en fait, l'idée, c'est de, donc je fais réagir, c'est juste de serrer, et moi, il faut juste que je franchisse le cap des genoux, et après, c'est comme un toboggan. D'accord? Et pas forcément d'aller tout de suite, de chercher à aller tout de suite ici, parce que s'il me retrouve là, et bien, en réalité, lui, il peut peut-être s'échapper. D'accord? Donc, c'est plutôt de venir tout de suite mettre la pression relativement bas, d'accord? Donc, juste ça, ça suffit. Moi, quand j'ai franchi là, je vous laisse tomber, il ne peut plus rien faire. Si j'ai réussi à faire passer mes fesses, d'accord? Je me laisse visser. D'accord? Et alors après, il faut travailler là parce qu'il a encore ses bras, bien sûr. D'où l'intérêt que je disais tout à l'heure de ne pas prendre l'habitude, même si je ne fais rien, de travailler, d'être relâché la tête ici. Parce que ça, c'est les mauvais réflexes qu'on peut retrouver après sans faire exprès dans la partie combat. Si on a toujours l'habitude de travailler comme ça, bah, du coup, on va rester tout le temps comme ça. Et c'est bien mieux pour lui d'être dans cette position-là. Bon, alors maintenant, rapprochez-vous un petit peu. Maintenant, je me suis retrouvé ici et lui, il a fermé ici. C'est un cas qu'on va retrouver fréquemment parce qu'il a bien compris que moi je vais vouloir passer les jambes et que lui, s'il ferme, c'est plus facile, c'est plus difficile de passer les jambes. Et lui, en surtout, il est autant armé que moi. Enfin, il n'est pas dans une position inférieure et moi supérieure. Même, généralement, c'est même presque l'inverse. Souvent, en combat, on est waza et les combattants préfèrent être à la place de Bécaille qu'à la mienne. Donc là, moi ici, je vais essayer de me dégager ici. On va voir juste une possibilité. Ici, c'est de venir attraper une main, le kimono, et verrouiller ici. Verrouiller. Donc là, c'est pas complètement verrouillé, mais sa main est un peu bloquée. Juste le temps que moi, je prends l'appui sur le genou, que je me redresse et que je me recule. Pour faire péter les jambes. D'accord? D'accord? Et après, je peux revenir dans ma position. Ici. Je remonte. Crochette les jambes, voilà. Regardez, là je suis ici, moi je suis ici, et là je n'arrive pas à passer, je ne peux pas me relever ici parce qu'il me tient, je suis embêté, voilà, il y a différentes possibilités, mais là le crochetage m'embête bien. Si je ne contrôle pas suffisamment ses bras, ça va être compliqué. Donc là dans le combat, on est là, et dans le combat je vais venir attraper du col, ici, glisser la main, et verrouiller. On met la pression hein, avec le coude, hein. D'accord, faut qu'il sente qu'il y a la pression quand même. Là, sa main, elle va être bloquée un minimum, ce qui me permet de libérer cette main-là. Si je ne le fais pas, tiens-moi la manche. Voilà, tiens-moi. Tiens-la. Voilà. Là, voilà. Là, regardez, je ne peux pas aller la chercher. De côté. Ah, je ne peux pas aller chercher non plus. C'est normal. D'accord? Donc là, à un moment, voilà, j'ai verrouillé. OK? Au bout d'un moment, il va réussir à sortir, donc il ne faut pas que ça mette trop de temps.
une main sur le genou ici. Et là, donc, je vais, si possible, prendre appui et essayer de me reculer. De reculer mon poids. D'accord ? Et là, hop, je reviens là. Je peux revenir à l'intérieur. Je peux revenir sur le côté. Je peux, pourquoi pas, resserrer, passer. Tout ce qu'on a fait depuis le début de l'entraînement. Donc, nous, on travaille là. Là, je refais une dernière fois. Et si je ne peux pas attraper cette main-là, bah, je peux le faire de l'autre côté. Ici, et reculer. D'accord ? Donc, je vais pousser et reculer mes fesses. Accroche bien mes cailles. Voilà, ça aurait été trop bas là. Bon, c'est pas grave, mais ça me dérange pas. Vous avez vu, ça lâche. Plus haut, voilà. Ici, ici. Après, ne laissez pas traîner votre bras là. Hein. Je l'ai ramené ici, là. Voilà. Ce que j'ai dit, impression du coude au niveau de l'aine. D'accord ? Déjà pour éviter, bien sûr. Mais là, il ne peut pas faire le jugé. Hein. C'est un peu compliqué. Je fais lâcher et après, on retravaille. On repart sur le travail qu'on a fait depuis tout à l'heure. Allez, à vous. Merci, Vitesse. Demandez-moi après si vous avez des soucis, si ça coince. J'ai déjà engagé et je viens me positionner en prenant un relâche de l'autre côté. Donc je viens m'engager ici, j'engage ma jambe et je reviens de l'autre côté. D'accord ? Et donc du coup, je reviens. D'accord ? Je suis ici, j'ai une jambe qui est déjà engagée. En fait, ça me permet d'avoir un appui pour m'aider à tourner. Donc je viens, on peut introduire deux mains à l'intérieur. Ici, reprendre appui avec l'autre pied. Pour l'autre jambe, lâcher. Et revenir de face. C'est pratiquement plus facile. Sauf qu'au début, quand on ne comprend pas, quand on a du mal, ben, on est là, on est coincé. Il faut vraiment penser à venir se caler et se servir. C'est comme s'il y avait des piquets, s'il y avait des piquets ici. Je vais me servir des piquets ici. Là, les mains, ça ne fait pas forcément grand chose, mais on peut quand même prendre un pied avec les mains et revenir. Ok ? Allez, avec vos partenaires, c'est parti. Déjà sur ce qu'on vient de faire, vous restez sur ce qu'on vient de faire parce que ça va être compliqué. Pour l'idée, il faut que je cherche à introduire ma deuxième jambe ici. Okay, ma tête, elle doit aller grosso modo entre ses jambes. Alors si vous partez trop engagé, c'est compliqué parce que je n'ai pas la place. Si vous partez trop loin aussi, jambes tendues, c'est compliqué aussi. Donc voilà, juste en contact cheville-cheville, jambes semi-fléchies. Ensuite, alors ma main peut passer ici aussi. D'accord, ça peut m'aider. Si j'engage ma main ici, ça peut m'aider à venir, la tête va suivre. Ici, la tête suivre. Je cherche à positionner ma jambe. Une fois que j'ai fait ça, je lâche l'autre pour revenir ici. Et pour ceux qui veulent faire le tour, ben, comme je sais que je ne vais pas m'arrêter là, quand je finis ma rotation, je vais accélérer avec ma jambe pour tourner autour de lui comme si je tournais autour d'un piqué. Donc il faut se rapprocher de sa jambe. Sur le deuxième, là-bas ici, là maintenant, en fait, il faut que je me rapproche de sa jambe. Pour pouvoir enchaîner. Si vous le faites loin, et vous arriverez pas à enchaîner. D'accord ? Tac, tac. Je refais. Je suis ici. Donc là, je fais ça. Là, je deviens la vitesse grâce à cette jambe-là. Et je me rapproche de sa jambe pour aller chercher ici. Hop. Et ici. Allez, vous jouez. Ne pas rentrer les genoux parce que sinon il passe facilement. On a vu ce matin par exemple ici. Donc là, je vais venir chercher ma bille et je vais venir chercher un bras dessous, l'amener sur moi et le décoller un petit peu. Hop, je le repose, je relâche tout, je recommence. Hop, un bras dessous, je le mène sur moi et avec mes jambes, je décolle un petit peu. Je ramène délicatement, ne reposez pas, sinon c'est un peu sérieux pour lui. Je me remets. Donc on automatise le fait d'aller le chercher. Le ramener sur moi et décoller ici. Pourquoi un bras dessous? Parce qu'après, je pourrais le jeter du côté du bras contrôlé. Ok? Je vais contrôler un bras en faisant un bras dessus et l'autre dessous. Donc là, on pourra le renverser du côté du bras contrôlé. Si je le fais, on reste là. Si j'inverse ma position, si je viens comme ceci, je ne peux surtout pas le renverser par là, parce qu'il résiste avec son bras. Résiste avec son bras. Voilà. Là, je ne peux pas. D'accord? Par contre, de ce côté-là, je pourrais le renverser. Bon. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est toujours du même côté, mais pour les plus gradés, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de changer à chaque fois. Donc je suis ici, hop, une fois comme ça, je repose, je redescends, hop, une fois comme ça, hop, je repose, je redescends, et ainsi de suite. D'accord ? Ok ? Donc
Ok, automatisé. Hop, je saisis. Tout de suite, j'ai plus besoin de réfléchir. Je sais à l'endroit où je dois saisir. Et le travail d'aller chercher et de ramener faire la bascule. Allez, vous faites une dizaine de fois avant de changer les rôles. Allez. Très puissant. Donc en fait, moi ce que je vous demande, c'est simplement d'être capable de déclencher à droite ou à gauche en fonction du bras qui va lever. Ce qui me permet un petit peu d'automatiser ça. Et donc mon bras, du coup, vous allez voir, je vais à un moment jouer une ouverture sous moi. Hop, tac. Je passe la tête dessous, je contrôle très fort et il n'y a plus qu'à renverser. Ok ? Allez, c'est parti. Je mets les mains sur le pantalon, il se lève, voilà. Et là, il essaye de travailler. D'accord ? Donc moi, normalement, je ne suis pas dans cette position. Au minimum, ouais, on est là. Ok ? Donc l'idée, c'est de le tirer vers le haut quand je l'aspire, c'est de tirer son centre de gravité le plus haut possible sur moi, de manière à lui décoller les appuis. C'est-à-dire que si je ne prends pas assez haut, donc là, si je prends comme ça par exemple, si je prends pas assez haut, il recule les fesses, et là, j'ai pas avoir la cuisse, je peux pas le lever. D'accord ? Donc au moment où je vais le chercher, je l'aspire. Là, voilà. Et là, hop, donc on va renverser. On va finir position Gezagatame, que ce soit sur une saisie ou sur l'autre. Donc là, j'ai pris dessus-dessous, je me refais avec bras-tête. Vous choisissez à la limite, là, d'accord ? On fera plusieurs fois. Je suis ici, bras-tête, je vais chercher dessous. Pareil, je suis ici, je la tire vers le haut, ici, et je renverse, et je vais sur le côté. Et à partir de là, vous allez faire un tour de lui, un tour en déplaçant. Hop, je passe à cheval, je passe de l'autre côté, hop, je fais une botte, je reviens, tac, et tac. Et vous allez constater qu'en faisant un tour, j'ai jamais perdu le contact. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fasse ça. Ça, ok. Et ici, donc, ou là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va privilégier. D'accord ? Donc, par exemple, sur le renversement, au moment de ce matin, on se retrouvait sur le passage de ce matin, passage de jambes. D'accord ? Ou alors là, quand j'ai retourné mon partenaire, d'accord ? J'étais soit comme ça. Bon, alors, si on est comme ça, c'est un petit peu dommage de lâcher la pression sur les bras, mais bon, pourquoi pas ? Parce que là, c'est embêtant, il faut que je relâche le bras, je redonne la possibilité de s'échapper pour aller chercher derrière la tête. Mais si on avait pris bras. Si on avait pris bras-tête ici, voilà, là c'est très facile. Je reviens en position, c'est repositionné, pardon, forme yokoshios. D'accord ? Et donc, comme ça, un étranglement avec mon kimono, parce que là, n'importe qui me voit, un étranglement avec mon kimono, ici, il va falloir que je sorte mon kimono de ma veste. Donc là, je peux très bien bouger un petit peu, je suis là, voilà, hop, je suis ici, et là, peut-être dans le combat, j'étais déjà un petit peu déshabillé, je viens là, hop, et je me repositionne. Voilà. Donc le principe, il est simple, je vais aller chercher ma veste, et je vais venir la donner à la main qui est là. Ok ? Donc une fois que je suis là, oh, c'est quasiment gagné. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis un peu coincé. Voilà. Hop, donc je suis ici, donc normalement on est comme ça, hein. Voilà. J'ai déshabillé, on est là, et à un moment, moi il faut que je passe pas sous son bras, mais par-dessus son bras. Ok ? Donc à partir de là, regardez bien, je vais venir prendre appui sur le pantalon, et j'ai écarté ici. Ça c'est la première version, et la deuxième version c'est de revenir plutôt face à lui en venant accrocher ici, et on rentre. D'accord ? Après le repère il est simple, hein. C'est le kimono, il est passé là, ici. Si, rentre bien la tête. Si je suis sur sa mâchoire, c'est compliqué. Mais vous avez vu qu'en fait, si je ramène un petit peu la main ici, là je suis dessous, même il a beau rentrer le menton, je suis dessous. Alors, lui va vouloir tourner avec moi, parce que l'étranglement est là. Donc c'est pour ça que je prends appui ici. Et là, je pousse après. Je me décale et je joue. Ou alors, ici, je viens, ça va dépendre aussi comment il occupe mes mains. Hein. Si j'ai le passage, si j'ai pas le passage là, je vais chercher ici. Voilà, tu défends là. Si j'ai pas le passage là, je vais chercher ici. On a travaillé avant, c'est du chier. Si j'ai le passage, je viens chercher là, et là, je reviens face à lui, je peux même revenir à genoux. Ok ? L'objectif, en fait, c'est que ma veste fasse le tour. Donc là, c'est bon, hein ? Le tour de ce côté-là, ça va. Maintenant, c'est ici. C'est pour ça que, moi, regardez, je m'éloigne, et je monte. Alors ça tire un peu sur la cervicale, mais c'est, on ne doit pas l'objet. Alors, si on. Là, c'est étranglement, il n'y a pas photo, hein, d'accord, il va taper. Si on voit que vous lui bourrinez les cervicales alors que la veste, elle est là, et vous forcez sur les cervicales, l'arbitre, il arrête tout de suite, et voire il est en dessous coumaqué. Parce que moi, si je cherche à faire un étranglement, et que je suis efficace sur l'étranglement, il n'y a pas de problème, parce que là, on n'est pas non plus sur une clé de nuque. Par contre, si on voit que vous lui bourrinez la tête alors qu'il n'y a rien de technique, là, on vous arrête tout de suite, parce qu'effectivement, pour lui. Pour lui, c'est dangereux. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, je vais
faire ça pour qu'il tape, et s'il tape, c'est qu'il ne peut plus supporter la douleur au cervical. Mais vous allez voir qu'en fait, ça va pas très très loin. Là, j'ai enfoui un peu, je viens chercher ici, là, je prends appui, je m'éloigne. En fait, quand je m'éloigne, ma veste arrive ici et je pousse un petit peu. Et quand je pousse un peu, surtout, il faut que je ramène, pour hésiter à tirer. Vous avez vu ? Oui. Hop, on chope le truc, on met le truc devant, on pousse là, et on recule. Et si on recule plus, est-ce qu'on a vraiment besoin de relever la tête ? Non, pas forcément. Non, si tu recules bien. Alors après, le fait de bien reculer, c'est le risque, c'est qu'il tourne avec toi, tu vois, si je suis là. C'est un petit peu compliqué, donc je tiens, et là, regarde, il tourne déjà. D'accord. Voilà. Non. Moi, je montre toutes les actions. L'idéal, c'est que je recule et je tire et je lève un peu. D'accord. Tout en même temps. Mais là, vous avez vu qu'il a tout de suite tapé, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à lui tordre la tête en deux, bien évidemment. D'accord. C'est un petit peu le même principe, je mets les orteils. Ouais, allez, c'est parti. Donc là, quand je suis ici, je m'éloigne de manière à tendre cette partie-là. Si je m'éloigne, mais que je l'attends pas, ça fait rien. Si je l'attends, tout de suite, c'est beaucoup plus efficace. Donc en fait, n'hésitez pas à regarder votre kimono ici, la partie qui va être anglée. Et si elle est détendue, ça va pas. Donc là, je me recule pour l'attendre. Détendu, tendu. D'accord ? Donc à moi, en fait, puisque c'est cette partie-là du kimono, de reculer surtout cette hanche-là, ce côté-là. Donc là, c'est un repère super facile, visuel, je regarde et je cherche à tendre cette partie. Bien entre mes jambes, on repart sur le travail où je suis dans la garde. Alors, on va se remettre dans cette garde-là, voilà. On est ici, j'ai même accroché là. Donc là, ça bataille un petit peu. Donc mon objectif, c'est de venir saisir une manche, deux manches. Ok ? À partir de là, on va venir glisser un pied, deux pieds sur les hanches, ici. Et on va venir se... curieux, un petit peu les yeux. On va venir se reculer les jambes. Et surtout, l'idée, c'est de travailler sur une langue. Si tu tombes tout seul, c'est trop facile. Travailler sur un mouvement de langouste. Ici, je vais toujours faire, de manière à pouvoir trouver le passage à l'intérieur ici. Ok ? Je remonte le départ. Donc, on va d'abord faire ce système. L'attitude de Yazid, normalement, c'est qu'il ne veut pas trop venir sur moi. S'il vient sur moi, il sait qu'il risque de se faire renverser. Donc, il descend un peu les pieds sur les talons. Les fesses sur les talons. Voilà. Moi, il faut que j'aille me contrôler une manche de manche. À partir de là, je prends appui ici. Il faut que je recule un peu mes fesses. D'accord ? Donc on va pouvoir pousser pour s'éloigner un peu. Alors s'il tombe en arrière, facile, hein, d'accord ? Ici, voilà. À partir de là, petit mouvement d'angouste. J'ai toujours mon pied droit qui est calé. Alors je fais de côté, du coup mon pied gauche calé en sa hanche. Donc là, il ne peut pas passer. Je retiens et je tire un petit peu. Et là, on va chercher le passage ici, on ne mettait pas le coup. Et on va venir projeter sur la bouche. Projeter le coup de pied sous les selles. Pour l'instant, je peux même le ramener ici. D'accord, de l'autre côté, tac, tac, projeté ici. Là, je peux le ramener. D'accord ? Ça marche pour tout le monde ? Donc, amusez-vous à arriver dans cette situation-là. Et une fois que je suis dans cette situation-là, engager un pied, ressortir, engager l'autre pied, ressortir, tout en faisant attention de ne pas à chaque fois lui projeter le nez, hop, ici. D'accord ? Parce que c'est pas très agréable. Allez, allez. Après, je vais vous montrer. Et la suite, bien sûr. Donc là, je m'éloigne, ma langouste que j'ai cherché ici, et allez, je le ramène un petit peu. Là, je le verrouille parce que lui, il va peut-être avoir envie d'échapper, reculer. Ok, voilà. Donc si je le laisse faire, recule, reculer. Voilà. Là, je ne peux plus trop travailler sur ce que vous voulez. Hop, je le ramène. À partir de là, tu peux me faire tourner. Merci. Encore. Merci. À partir de là, donc on va lui faire croire ici qu'il a une opportunité. Hop, on va venir se mettre comme ça. Okay. Et là, surtout, on ne lâche pas au niveau des manches. Et là, au moment où il veut venir, vas-y, au moment où il veut venir, le premier design commis, je vais l'enlever. Si vous n'avez pas lâché les manches, vous avez. Donc, la plupart des fois, c'est la même que tu as pris, mais sur le dos. Si vous n'avez pas lâché, si ça vous a échappé, on revient travailler. Et donc voilà, on a terminé notre stage, on a bien travaillé. Je suis fier de mes stagiaires et j'espère qu'on se retrouve l'année prochaine, sur une saison prochaine, ou que ce soit dans notre nouvelle région. Salut. Salut.